L'actualité passe tellement vite de nos jours, si tu vas te chercher une bière au frigo, tu auras une guerre. Nous sommes le vendredi 31 octobre 2014, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine. Il est temps de faire un point sur l'actu. Alors, une actu ou un sort ? Lundi, l'agence russe des consommateurs a averti que les selfies sont l'une des causes de la propagation des poux chez les jeunes. Encore une étude pourrie, mais bientôt, téléphoner vous mettra la puce à l'oreille. Mardi, grande manifestation en Hongrie, où le gouvernement de ce pays a eu l'idée de mettre en place une taxe internet qui prévoit le prélèvement de 50 centimes d'euros par gigaoctet transféré. Eh ben, heureusement qu'internet est censé être libre. Une idée grivoise pour le gouvernement hongrois. Mercredi, on a appris que le créateur du jeu Dr Maboul a lancé un crowdfunding, non pas pour éditer un nouveau jeu de société, mais pour financer une lourde opération chirurgicale à hauteur de 25 000 dollars, n'ayant pas les moyens de la financer, en espérant que son appel au don, pas d'organes, ne tombe pas sur un os. Jeudi, un fait divers a été médiatisé dans le nord de la France. Un homme de 29 ans a suivi une factrice de 45 ans en pleine tournée, et lui, il lui a clairement éjaculé dessus pendant qu'elle avait le dos tourné. Peut-être voulait-il seulement lui lécher le timbre. L'homme a rapidement été retrouvé, et nous ne savons pas s'il s'appelle Hans, car il se pourrait maintenant qu'il ait le seum Hans. Aujourd'hui, on apprend dans le journal qu'une boulangerie toulousaine a été braquée par un groupe d'individus masqués et armés d'un couteau. Leur butin ? Des viennoiseries, croissants, chocolatines et bonbons. Peut-être que maintenant le monde est prêt à tout pour l'honneur de la chocolatine. On se retrouve vendredi prochain, même site, même chaîne. En attendant, coupez la télé, lisez les journaux et suivez Yves à son studio. Joyeux Halloween !